Bienvenue dans nos programmes Lire et écrire créole mauricien. Alors, nous espérons que vous finissez habitué à ce règlement et que vous pouvez faire progrès, pareil comme les élèves peuvent faire progrès ici. Alors, encore une fois, nous avons plaisir aujourd'hui, nous à côté, ça des enseignantes dans l'Université Maurice qui peuvent montrer nous comment lire créole, comment bien. Alors, bonjour Yanni et Yannick. Bonjour Bonjour, Christelle. bonjour Christelle. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons découvert là? Qu'est-ce que nous permet de nous découvrir? Donc, aujourd'hui, nous avons essentiellement découvert traitement de voyelles dans le créole mauricien. La semaine dernière, nous travaillons de consonnes. Ça fait là, nous parlons de voyelles. Oui, effectivement. Ça fait là, nous parlons de voyelles. Mais on pensait, avant nous commencer le nouveau règlement, nous corrige des voix qui étaient là pour la semaine dernière. On a corrigé. Alors, je vous rappelle qu'il nous était là des voix la semaine dernière. Il y a un premier devoir que nous avons donné à l'ISMO pour écrire, avec un deuxième devoir que nous avons des phrases pour écrire. Donc, pour le premier devoir, nous vous demandons Tania s'il est capable de venir aider nous et de nous donner l'ISMO qu'il nous a donné la semaine dernière et qu'il faut écrire au tableau. Donc, le premier mot que nous avons, c'est le mot succès. Deuxième mot, c'est le mot exact. L'autre mot qui est là pour écrire, c'est le mot contexte. Quatrième mot, c'est le mot exemple. L'autre mot qui nous est là, c'est le mot texte. Et dernier mot qui est là, c'est le mot réflexe. Alors peut-être nous capables de dire là, peut-être qu'il y a dans le texte, mon écrit un texte, peut-être nous pouvons en attendant prononcer ce qui est dans le texte, mais bon. Alors, c'est le deuxième devoir qui nous a donné la semaine dernière par rapport à comment écrire une consonne. Okay? C'était une phrase, c'était une phrase en français, le téléphone sonne, et je vous ai écrit en créole. Alisha, est-ce que tu es capable d'écrire une phrase là au tableau, s'il te plaît? Le téléphone sonne en créole. Merci Alisha. Alors, comme on nous a trouvé la semaine dernière, quand il a son feu dans créole, nous pouvons écrire PH, comme nous pouvons écrire en anglais ou en français, nous écrire avec un F, comment Alisha fait écrire au tableau. Alors, Alisha, deuxième phrase ou deuxième mot sur phrase qui nous tient à pour écrire en créole, c'était la guerre entre les candidats. Alors, merci beaucoup, Alisha, tu as bien écrit la phrase là. Comme on nous a trouvé la semaine dernière, son G dans créole, il fait son gueule. Nous n'avons pas besoin d'ajouter un U avec lui pour faire ça son gueule là. Donc, la guerre écrit L-A-G-E-R. Et dans créole, pénal les C ou bien pénal les Q. Donc, nous avons seulement les K pour faire son que. Donc, candidat écrit avec un K. Merci beaucoup. Et moi, j'espère que les téléspectateurs peuvent réussir, écrire ce panneau bien. Ok, à ce là, nous pouvons get règlement numéro 6 concerne lire et écrire voyelles en créole mauricien. Donc, il y a 6 voyelles orales en créole mauricien et il y a 3 voyelles nasales. Alors, ces 6 voyelles orales là, c'est voyelle A, commandant Fatak, Papa, ou écrit elle lit avec lettre A. Après, il y a voyelle E, commandant l'été, délayé. Nous écrivons l'I avec lettre E en français, mais nous prononçons l'I E. Et la voyelle orale O, qui nous écrit avec lettre O, commandant hauteur, loto, coco. Alors, contrairement dans le français, que nous pouvons faire parfois une combinaison voyelle pour faire son O, vous connaissez dans le français de l'eau, écrit à E-A-U, en créole, n'est pas comme ça. Nous avons un son, un seul lettre pour représenter ce son-là, c'est lettre O. Ensuite, voyelle orale I, commandant Marie, Lily, Diri.
voyelle orale OU, qui fonctionne comme un digramme, OU. Donc quand nous poutons son OU en créole, nous pouvons écrire l'OU comme dans Koulou, Zenou. Alors parfois nous trouvons qu'il est une pratique écrire son OU avec lettre U, mais d'après règlement l'orthographe créole mauricien, son OU bisait écrire avec OU. Ensuite, il y a la lettre U. Sa lettre U là, l'IPA représente voyelle orale U, mais il représente voyelle orale E. Comme dans anglais en fait. Et surtout concerne le mot emprunté à l'anglais, comme dans flush, rush, brushing. Donc son E nous pour représenter avec lettre U. Donc deuxième partie, règlement 6, qui concerne la voyelle nasale. Donc trois voyelles nasales pour faire son on, en avec un. Donc en commandant l'étang, comptant enfants. Donc nous écrivons en son en, on écrit toujours avec AN. On commandant onté. Coton et bonbon. Et troisième voyelle nasale, c'est donc son 1. Alors pour son 1, il y a deux façons d'écrire l'i. Donc son 1, nous écrit l'i avec IN commandant lapin. Raisin malin. Et que son 1, nous capables aussi écrire l'i avec EN, EN, commandant ancien, bilingue et européen. Alors, comment je peux trouver son 1 et n'a deux façons écrire l'i, soit IN, soit EN. Dans le prochain règlement, règlement 7, nous pouvons être ça, façon écrire son 1, l'intégrer plus en détail, vous êtes comprendre quand nous pouvons écrire l'i IN, quand nous pouvons écrire l'i EN. Donc à cela, nous parlons du règlement numéro 7 qui cause le traitement de la consonne nasale dans la position finale. Donc en créole, l'effet qui nous servit d'être N, comme nous l'avons dit avant dans le règlement numéro 6, pour indiquer la voyelle nasale, oblige à trouver un système pour indiquer la présence de la consonne nasale quand nous sommes dans la position finale. Donc c'est à travers redoublement justement l'être N qui nous peut arriver à faire ça. Donc son AN pour opposer avec son AN, son ON pour opposer avec son ON, son IN pour opposer avec son IN, et son N pour opposer avec son IN aussi. Donc nous parlons de l'exemple ensemble pour nous plus comprendre ce que nous verrons dire. Donc par exemple, dans, pour voyelle nasale avec son AN, nous prenons un mot BAN, nous prenons un mot LÉTANT, nous prenons un mot CONTENT, et que nous prenons nos enfants. Donc, dans le contexte que nous pouvons causer une console nasale qui correspond, nous prenons un à côté. Et pour nous faire la différence entre la manière qui nous écrit ban, comme avec ma voyelle nasale, nous pouvons écrire ban, et que nous pouvons redoubler sa n qui apparaît à la fin. Là. Donc, les autres exemples qui nous ont, à part ban, c'est le mot van. Mot ravan et classe avan. Donc, même logique pour son on avec mot honté, mot coton, bonbon. Consonne nasale qui correspond, c'est on en fait. Et pareil comme an, nous pouvons redoubler n pour nous comprendre ça son là, pour nous faire ça son on là. Donc, ben, l'exemple qui nous a avec ce mot là, c'est le mot larone, fun, bonbonne.
celle-là va être IN pour son 1. Nous pouvons avec ça le mot marin. Mot lalin. Cousin. Et comme nous avons dans le règlement numéro 6, il y a deux manières de écrire 1, c'est IN, et qu'on a aussi EN. Et avec EN, nous avons un mot ancien et un mot européen qui nous finit déjà dans le règlement numéro 6. Donc, pour une voyelle qui correspond justement avec IN, nous pouvons écrire IN cette fois-là, avec le doublé sa N-là. Donc, nous prenons marin un côté avec IN. Pour nous écrire marine, nous pouvons redoubler sa consonne N. Pareil comme nous avons l'alin, pour nous écrire l'aline. Cousin, cousine. À cela, nous avons EN. Donc, pareil encore, quand nous avons ancien, c'est avec EN, mais quand nous avons ancienne, l'EN nous pour redoubler sa N là à la fin. Pareil comme dans européenne. Donc, this anti commentaire par rapport à son 1, nous vous trouvez qui. IN avec EN fait 1, mais INN pour faire IN, alors qui ENN pour faire N.